Putain de merde. Salut à toi, Lewika. Mais qui êtes-vous? Sortez de ma méditation tout de suite! Je sors tout de suite comme ça, sans t'expliquer la raison de mon intrusion? Mais vous croyez que c'est normal de venir embêter des gens en pleine méditation, comme ça? Allez, hop, 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 dégagez! En plus, je vous connais pas. Non, en effet, mais je pense que tu es l'élu, Lewika. Élu de quoi, de qui? Je me suis jamais présenté, moi! Et puis, je suis un ermite! Un ermite, ça doit pouvoir faire sa méditation sans être dérangé! Sinon, à quoi bon être ermite? Bon, eh bien, si un immense pouvoir ne t'intéresse pas, celui que tu recherches ici dans la forêt, eh ben, je m'en vais. Attends. Quel pouvoir exactement? Eh bien, j'avais voulu juste. Écoute bien mes indications et tu découvriras ce pouvoir, mon pouvoir. Prends bien note de ce que je vais te dire. Mon secret est enfermé dans un grimoire écrit de ma main peu avant de disparaître de ce monde matériel. Ce grimoire, très puissant, est dissimulé dans un livre pour enfants comme plein d'autres dans une bibliothèque. Mais prends garde au gardien du grimoire, car c'est ici que commence ta véritable épreuve. Bonjour. Bonjour. Je voudrais ce livre. Oui, t'as quel nom? Lewika. D'accord, je vais voir si vous êtes dans la base de données. Attendez. Je vais vérifier que ce soit le bon livre. Je suis bleu, Daboudi, Dabouda. C'est le bon. J'emprunterai celui-là. Eh bien d'accord. Tu ne vois que vous n'êtes pas inscrit? Vous voulez un formulaire? C'est obligatoire. Oui. Bon ben. Là aussi. Allez-y. Nom, prénom, date de naissance. Date d'inscription, date d'aujourd'hui, la date de demain, votre date de naissance, votre nom de famille, votre adresse email. Vous auriez un stylo? Non. Ouais, tenez. Merci. Tout est en règle, vous y allez. Allez-y, vous y allez.
Enfin sorti. La vache, ça fait du bien. J'en avais vraiment marre. Regardez-moi ça, ma veste est toute froissée. Tiens, bonjour Monsieur Soleil, tu m'avais manqué. J'espère qu'il va bientôt faire nuit, c'est d'un triste ici. Heureusement, le boulet est pas... Oh non ! Oh non, 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 il est là ! Tu pourrais pas rester couché pour une fois ? Mais au fait, qu'est-ce qu'on fait là ? Attends que je réfléchisse. Le livre a sûrement été détruit, du coup on est libre ! T'es vraiment bête, toi. On aurait été détruit avec. Non, je pense qu'on a le droit à un peu de vacances. Cool ! Le vieux a enfin décidé de nous donner des congés. Ah, j'en avais un peu marre d'attraper le lapin. Allez, prenons du bon temps. Bière et femme à volonté. Et puis corde à sauter ! Non, pas la corde à sauter ! Pff, oh bah joie ! Mais attends, il y a aussi une autre possibilité. Quelqu'un a ouvert le bouquin ! Ah mais... pas du tout, hein. Par contre, il y a un super bar à deux rues d'ici. Cool, merci petit humain tout lait. Un plaisir, votre grandeur. C'est par là, abruti. Et maintenant, le bibliothécaire. J'espère pour lui qu'il s'est échappé. Te voilà. Bon, voyons ce qu'il y a pour toi. Alors... Trop court, trop long, trop bête. Oh, ça c'est pas mal. Bon. Playmobilum est. Si tu as l'occasion de lire ces lignes, c'est que tu as su te montrer digne de ce grimoire en terrassant les gardiens. Ouais, un peu facile quand même, hein. Si je t'ai choisi, je peux être sûr que tu as déjà regardé le contenu du grimoire. Peut-être même t'en es-tu servi. Mais sache que ce que tu as pu voir jusqu'ici n'est qu'une infime partie du pouvoir que renferme le grimoire. Laisse-moi te conter son histoire. Ici, nous serons mieux pour imaginer mon histoire. Ce grimoire est la source d'une immense magie qui m'a permis, jadis, de créer monts et vallées. Malheureusement, l'homme n'était pas prêt à recevoir ce don. J'ai alors dû fuir dans l'immatérialité. Je souhaite te confier la tâche de réassembler mon pouvoir afin de poursuivre mon œuvre. Je te jure que c'est pas ma faute. Non, c'est pas ma faute. Tais-toi, je ne veux pas entendre tes jérémiades. Assis-toi et raconte-moi l'histoire. C'était pas moi, je jure que c'était pas moi. Il est arrivé, et après, il a cherché dans les livres. Je savais pas que c'était lui, tu me l'avais pas décrit. Après, il est venu, il s'est inscrit, et puis il était pas dans la base de données. Alors il s'est inscrit, quel livre qui a bougé, parce qu'il s'était transformé en grimoire, c'était bizarre. Après, il y a des messieurs qui sont apparus, et après, moi je me suis retrouvé en Playmobil, c'était tout noir, j'avais un post-it sur le front, ça n'avait aucun sens. J'ai rien compris. Mais bon, si tu dis qu'il s'est inscrit, intéressant.
Tout d'abord, il te faudra aller chercher la clé permettant de déverrouiller l'entièreté du grimoire. Cette clé est en réalité une relique dissimulée dans une épée. Une fois en possession de cette relique, tu seras en mesure de casser le dernier verrou magique. À partir de ce moment, tu auras accès à des formules qu'il te faudra maîtriser pour accomplir ma volonté.